À Paris, gros coup de frein en vue pour les trottinettes électriques en libre service. Vous les voyez filer à toute vitesse sur les trottoirs, dans les jardins ou même devant les écoles. Eh bien, elles seront bridées dès ce matin dans plus de 700 zones de la capitale, bridées à 10 km/h et elles ralentiront automatiquement à l'approche de la zone. Décision des trois opérateurs autorisés dans la capitale. Un Parisien sur quatre a déjà utilisé l'une de ces trottinettes en location. Un succès tel que les leaders du marché préparent même leur entrée en bourse. Aurélien Fleureau. Si l'affluence dans les transports publics remonte progressivement du côté des trottinettes électriques, le retour est spectaculaire. Le leader mondial Lime bat tous ses records, 1 million de trajets le mois dernier à Paris. Un succès qui s'annonce durable, explique Antoine Bluy, directeur général de la marque californienne en France. C'est une vraie explosion du secteur qui a été favorisée par les nouvelles infrastructures mises en place pendant le Covid. Et c'est ça qui pour nous explique, en plus du changement d'habitude, les chiffres actuels. Lime vient de lever plus de 500 millions de dollars pour préparer une possible entrée en bourse l'an prochain et renouveler sa flotte qui comprend aussi des vélos électriques. À Paris, ils ont noté des temps de trajet plus longs, forcément aidés par les pistes cyclables. Une intégration dans les grandes villes comme alternative à la voiture, selon Sylvain Martin, directeur général de Tier Mobility en France. 40% des Parisiens ont déjà utilisé une trottinette alors que 30% un vélo. Donc ça veut dire que c'est quand même, il y a un taux d'adoption important. Ça reste la mission principale qui est de réduire la place de la voiture en ville. Elle est nécessaire pour plein de choses, mais elle n'est pas nécessaire pour tout. Et encore moins quand on voit que 60% des trajets en ville au niveau européen, c'est moins de 5 km. Le groupe allemand a lui levé plus de 200 millions de dollars pour son développement, alors que l'américain Bird a fait ses premiers pas à Wall Street il y a 8 jours.